Cette première partie du Bip Info en musique avec quatre garçons de Grasset. Nemo est en résidence à la boîte à musique d'Issoudun depuis hier. Le groupe pop-rock a pu y travailler son, une résidence réalisée dans le cadre du dispositif Propulsion, suivi par l'association Caïman. Pierre Bourgeon a rencontré les membres du groupe ce matin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont ressenties par nous tous ici, c'est un énorme plaisir de jouer là. On avait vraiment besoin de cette salle et on voulait vraiment travailler ici parce qu'on sait que le système son est très performant et on voulait vraiment caler tous les sons du groupe. C'est-à-dire qu'au Nadir, on pourra se concentrer sur autre chose que le calibrage sonore pour vraiment se concentrer sur la mise en scène après. C'est un dispositif d'accompagnement qui est géré par la Fracama, qui est quelque chose de régional. Ils vont choisir 15 projets qui leur semblent pertinents et aider les artistes à travailler sur les objectifs que les artistes vont fixer au départ. C'est-à-dire, nous, on n'avait pas besoin d'une production phonographique, etc., puisqu'on avait déjà les contacts qu'il fallait pour faire tout ça. Par contre, ce qu'on voulait absolument, c'était manger de la scène, quoi. C'est-à-dire travailler le jeu de scène, avoir des opportunités pour faire plus de scènes. Ils ont mis à disposition des sessions de travail comme la résidence, etc., au Nadir, et puis aussi des formations plus professionnelles sur, par exemple, le booking, la gestion des droits d'auteur, la gestion de choses comme ça. Après, tout dépend de ce que l'artiste demande. Mais pendant un an, vous êtes accompagné sur les objectifs que vous avez fixés. Nemo prendra ensuite la route du Cher pour un concert au Nadir à Bourges le 28 mars et un album est également prévu pour cette année.